Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui des steaks de porc aux haricots verts. Et pour cette recette là, j'ai 400 g de steak de porc que j'ai coupé en morceaux. Là j'ai 800 g d'haricots verts, c'est du congelé. J'ai haché un oignon avec une gousse d'ail. Là voilà, j'ai ciselé quelques feuilles de persil. Il me faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, j'ai fait un petit bouillon avec 100 ml de vin blanc, 100 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf que j'ai émietté. On va mettre du poivre et du curry. Et puis, on va saler selon la convenance de chacun. On va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement mettre notre huile d'olive dans la cuve. Allez, le préchauffage est terminé, je vais pouvoir faire revenir mes oignons et mon ail que j'ai haché. Je vais maintenant ajouter mes steaks de porc coupés en morceaux. Je vais saupoudrer avec mon curry. Je vais ajouter le persil. Je vais ajouter les haricots verts. Je vais verser mes 100 ml d'eau, de vin blanc et le cube de bouillon de bœuf émietté. Je ne vais pas saler, je vais mettre un petit peu de poivre. Je mettrai le sel au moment de déguster. Et maintenant, je vais programmer ma cuisson. Et on arrête la fonction dorée. On se met en cuisson sous pression ou cuisson rapide. On va mettre 7 minutes, ça va suffire. Je suis OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mon couvercle. Allez, la cuisson est terminée, je vous mon cookéo. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à consommer cela chaud. Ce que vous pouvez faire pour ceux qui sont un peu plus gourmands, eh bien, pourquoi pas mélanger vos haricots et vos steaks de porc avec du riz ou des pâtes, par exemple. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.